Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la monétisation avec Flutterflow. Quelles sont les méthodes que je vous conseille? Comment ça va se passer concrètement? C'est un petit guide en fait cette vidéo pour vous expliquer eh bien comment ça va se passer au niveau de la configuration de tous les outils depuis en fait Flutterflow. Alors quand on parle de monétisation et du coup là il y a un chapitre qui est dédié du coup dans la formation Flutterflow Challenge, hein, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos, ce chapitre il est complètement disponible et donc pour l'instant en tout cas j'aborde deux notions, c'est les achats intégrés avec un outil qui s'appelle RevenueCat et après c'est l'intégration de Google AdMob, donc c'est la publicité pour mobile. Alors rapidement ces deux outils c'est quoi? Donc on a la publicité et les achats intégrés. Donc c'est des outils d'ailleurs qui sont complémentaires. Hein. Dans la plupart des applications, vous avez souvent des achats intégrés pour eh bien, enlever les pubs. Hein. C'est le cas classique qu'on retrouve dans la plupart des applications. Mais pour les achats intégrés, on a aussi tous les modèles en fait, d'abonnement, d'achat de contenu premium. Et donc là, c'est plus les abonnements type Spotify ou Netflix où en fait on va aller s'abonner à l'application pour recevoir du contenu. Donc c'est deux modèles de monétisation qui sont complètement différents. Le plus simple et de très loin, c'est la publicité. Hein, la publicité, en fait, ça se teste directement sur iOS et Android. Donc, il faut télécharger en fait le code source de votre application Flutterflow sur un émulateur pour le tester. Mais je trouve que au niveau de l'intégration qui a été faite en plus de la part de Google, enfin, c'est surtout d'abord Google en créant AdMob. En fait, c'est très simple. C'est des identifiants à gérer. Vous avez un identifiant pour iOS, pour Android, un identifiant pour une bannière, un identifiant pour une publicité qu'on appelle interstitiel, c'est-à-dire qu'on va ajouter une page de pub, hein, littéralement, lorsqu'on va cliquer sur un bouton avant d'obtenir un résultat. Et après, vous avez les publicités en fait avec les récompenses. Mais en gros, à chaque fois, vous manipulez juste un identifiant. Et depuis Flutterflow, c'est super bien fait. Vous pouvez précharger une publicité, vous pouvez afficher une bannière absolument là où vous voulez. Donc moi, j'ai pris l'exemple d'une bannière qu'on va afficher en fait de manière absolue en bas de l'écran. Mais vous pouvez, par exemple, si vous avez un fil d'actualité ou un fil d'articles de news, bah, vous pouvez en mettre un de temps en temps à l'intérieur, ça va tout à fait fonctionner. Moi, j'avais déjà fait un test dans la formation en Flutter Academy et ça fonctionnait très bien avec l'intégration du coup de Google AdMob. Donc la publicité, c'est vraiment pour moi la méthode la plus simple pour monétiser, mais c'est pas forcément en fait celle qui rapporte le plus. Les achats intégrés, c'est disons une approche où il faut avoir un petit peu plus de recul, un petit peu plus aussi de trafic hein, probablement, mais c'est une approche un peu différente. Il faut avoir des chiffres en tête pour se dire bah, combien ça fait un abonnement à 9,99€ par mois, mais il faut avoir 100, 1000 clients, etc. Donc forcément, quand on parle des Spotify et des Netflix, c'est des applications qui ont des centaines de millions d'utilisateurs. Donc forcément, on ne peut pas jouer directement dans cette cour des applications comme ça qui ont des millions d'utilisateurs, mais on peut avoir ce modèle-là en tête pour commencer, c'est tout à fait possible. Et aussi, là, ce dont je voulais vous parler, c'était du coup de RevenueCat. RevenueCat, c'est en fait un outil qui vous permet en fait de centraliser toutes les sources possibles d'abonnement et même en général aussi d'achat intégré. Mais on va surtout parler des abonnements. C'est-à-dire qu'en fait, et encore une fois, je vais rester sur les exemples de Netflix, etc., parce que c'est des plateformes où on peut s'abonner, mais du coup, depuis différents écosystèmes, depuis la version web, depuis iOS, depuis Android. Alors, Netflix, c'est un cas à part parce qu'ils ont retiré la possibilité d'abonnement depuis iOS à cause des frais en fait d'Apple, mais vous pouvez vous abonner sur les autres plateformes. Vous prenez disons un Spotify, on peut s'abonner du coup sur iOS, Android, la version web et sur toutes les autres plateformes qui peuvent exister, d'accord? Et bien en fait avec RevenueCat vous allez pouvoir centraliser vos achats intégrés qui viennent, enfin l'abonnement qui vient d'un achat intégré Apple, celui qui vient d'un achat intégré Android ou celui qui vient d'un achat d'un paiement en web qui utilise par exemple les méthodes de Stripe. Et du coup, Stripe, je vais vous en reparler juste à la fin. Du coup, ça permet de tout centraliser et c'est hyper important d'utiliser un outil comme ça parce que sinon, alors au début, ça peut être gérable, hein, vous avez votre application sur Android, vous avez votre application sur iOS, rien que iOS et Android, bah, il faut quand même gérer les données des utilisateurs et dire bah, si à un moment donné, la personne se désabonne via iOS et qu'elle veut se réabonner via Android, il faut que ça soit possible. Il faut aussi que, par exemple, qu'elle puisse bah, même consulter du contenu premium depuis son application Android, sachant qu'elle s'est abonnée sur iOS. Donc, avoir un outil comme RevenueCat, c'est hyper important parce que toutes ces plateformes-là, on parle de iOS, les achats intégrés sur iOS, sur Android, les paiements, par exemple, via Stripe sur le web, c'est super bien, mais ça a été conçu de manière indépendante. Et donc là, RevenueCat, ça vous permet, littéralement, quand vous créez un abonnement, de le créer et de le gérer de manière complètement universelle. Et ça, c'est hyper important si vous avez un business model qui est lié, du coup, aux abonnements. Mais c'est pas uniquement lié aux abonnements, c'est-à-dire que, notamment, là, quand on est sur du Flutterflow, pour gérer les achats intégrés, du coup, on est obligé de passer par RevenueCat. Bon, on pourrait, hein, si vous faites du code pur natif, vous pouvez gérer vos achats intégrés comme vous voulez, mais avec Flutterflow, en fait, on est obligé de passer par RevenueCat pour gérer les
des achats intégrés. Donc moi, je vous fais une petite démonstration dans l'application, mais ce n'est pas réellement un abonnement. Enfin, c'est des petits achats intégrés à faire de manière ponctuelle. Donc on parle plus des types consommables. En fait, il y a non consommables et consommables dans les achats intégrés. Donc c'est plus quand on va acheter des crédits dans un jeu vidéo, dans un jeu mobile, on va acheter des pièces ou quelque chose voilà, qu'on veut débloquer, mais on le consomme. Donc on peut effectivement après le racheter. Donc Revenu 4, c'est un outil super qu'il faut avoir en main et en tête surtout quand on veut créer une application avec un modèle d'abonnement. Et donc ça va vous permettre donc encore une fois de tout centraliser. Je vous ai parlé rapidement de Stripe du coup pour les versions web de vos applications. Donc Stripe, c'est le système de paiement en ligne dans le monde qui est le plus performant, qui est le plus utilisé. Ça fait tourner en fait tous les sites de e-commerce, tous les sites comme de vente de formation que je propose, mais n'importe quel système où vous allez avoir un paiement en ligne ou sur mobile. Très souvent, ça va passer en fait quand il y a l'utilisation d'une carte bancaire, ça va passer en fait par un site comme Stripe. C'est une des plus grosses startups aujourd'hui valorisées dans la Silicon Valley. Et donc c'est un outil qui est réellement incontournable. En fait, aujourd'hui avec Flutterflow, on peut intégrer Stripe, mais pas de la manière en fait dont on le pense. Et c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas proposé le tuto dans la formation parce que la configuration mine de rien, elle est assez complexe. C'est utile en fait quand vous allez proposer, par exemple, vous proposez une application de e-commerce. Vous voulez par exemple que les gens puissent, enfin en tout cas vous voulez capter vos paiements par Stripe, mais vous voulez aussi par exemple utiliser Apple Pay ou Google Pay quand vous êtes sur votre téléphone. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là, vous êtes sur une application de shopping. Alors Amazon ne le propose pas, mais des concurrents d'Amazon le proposent. Et donc quand vous faites votre achat, vous entrez directement les coordonnées de votre carte bancaire. Et si vous avez votre carte bancaire qui est configurée dans Apple Pay ou dans Google Pay, vous pouvez directement cliquer sur le bouton Apple Pay, et en fait, avec, bon, moi, c'est par exemple avec Face ID, je vais pouvoir déverrouiller mon téléphone, enfin, c'est l'équivalent du code de sécurité, et donc je vais pouvoir faire mon achat, donc sans avoir à entrer ma carte bleue. Du coup, ça, on peut le faire en utilisant Stripe, mais ça demande un gros travail, en fait, de configuration. Donc, il faut aller dans toute l'interface d'Apple et dans toute l'interface de Google, en fait, pour configurer, en fait, le fait que vous passiez par Stripe pour autoriser, en fait, Face ID et, en fait, toute Apple Pay, en fait, et toute l'interface de sécurité d'Apple et de Google pour autoriser les paiements. Mais en gros, ça va juste être possible pour les applications en fait de e-commerce. Et en fait, c'est tout. C'est les seules applications avec lesquelles vous allez pouvoir utiliser Stripe dans du Flutterflow. C'est pour ça que c'est un système qui pour moi est assez réduit, sachant que du coup, on peut intégrer Stripe, mais sans passer par toute la configuration d'Apple et de Google, sachant qu'on va juste pas du coup avoir du Apple Pay ou du Google Pay. Mais on peut très bien utiliser Stripe déjà pour réaliser des achats de paiement par carte bancaire. Et ça va fonctionner. Encore que, il faut avoir en tête en fait que quand on a une application mobile, notamment sur iOS, vous êtes obligé en fait d'utiliser les achats intégrés pour tout ce qui concerne le paiement d'objets et de consommables en fait qui sont virtuels. Je pense des livres numériques, des formations comme celles que je propose, et de tout ce qui n'est pas en fait physique. D'accord ? Donc, par exemple, sur Amazon, vous pouvez acheter un livre papier depuis l'application iOS, mais pas un livre numérique Kindle. Vous pouvez acheter par exemple, je sais pas moi, par exemple, sur Airbnb, on peut acheter, par exemple, enfin louer un logement, mais on ne peut pas louer une expérience sur l'application parce qu'ils considèrent que l'expérience, c'est du virtuel, c'est pas du physique. D'accord ? On peut prendre une course Uber, mais on ne peut pas, télécharger un MP3 sans passer du coup par les achats intégrés. D'accord ? Donc, sur iOS, il faut avoir en tête que si vous voulez utiliser Stripe, c'est uniquement pour quelque chose de tangible, de physique. Et donc, en gros, on parle de e-commerce pur et dur, avec une livraison, etc. Dès que c'est du virtuel, dès que c'est du... Vous vendez des images, des vidéos, des PDF, peu importe, ça va être obligé d'être passé par les achats intégrés d'Apple, sachant que vous avez la fameuse taxe, du coup, de 30% dessus. Donc voilà un petit peu pour toutes les méthodes qu'il existe pour monétiser vos applications. Donc avec Flutterflow, moi, je vous conseille, un petit peu comme pour du Flutter de toute manière, d'abord la publicité avec Google AdMob, ensuite les achats intégrés avec Revenu 4 quand vous voulez mettre en place, en fait, un système d'abonnement, peu importe le prix, pour tout centraliser, et Stripe uniquement quand vous faites du e-commerce et que même vous voulez en fait ajouter du Apple Pay, du Google Pay pour effectivement améliorer l'expérience de l'utilisateur. Mais sachez que pour cette partie-là, ça demande quand même pas mal de configuration pour que ça soit fait proprement, parce que forcément, dès qu'il y a du paiement derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Donc dans tous les cas, la publicité, ça reste un moyen extrêmement simple et rapide du coup de monétiser votre application, vous avez pu le voir. Donc tout ça, c'est disponible dans l'avant-dernier chapitre en fait de la formation Flutterflow Challenge.
Le dernier, le neuvième, en fait, c'est sur la publication. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Du coup, n'hésitez pas à commencer le cours gratuit de Flutter Flow Challenge et également celui de Flutter Révolution si vous souhaitez faire aussi du développement directement Flutter. Ça reste toujours évidemment très utile. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!